Va dire à ta sœur que je suis là. Antoine Anzévoué. C'est Denis Reva. Approche-toi. J'ai dû faire un faux mouvement. Ça désenfle pas. Ça fait bientôt 3 mois. Ça fait mal? Ça va. Et là? Oui. Bon, au revoir. Je vais te donner une tisane. Tu prendras une poignée d'herbe, tu la mettras sur le feu avec la valeur d'un verre d'eau. Hein? Puis tu laisseras bouillir un quart d'heure. Aide-moi, Roger. Quand le liquide sera bien réduit, tu prendras la pâte bouillante et tu l'étendras sur ton genou. Voilà. Je sais pas ce qu'il a, il voit plus. J'ai du mauvais lait, peut-être. Je vais lui faire une bouteille. Donne-le-moi. Combien est-ce que je vous dois? Oh, attends de voir l'effet que ça fera. Écoutez, Anzévoué, j'aimerais mieux si ça vous fait rien. Dis donc, ouais. Tu sais compter, toi, c'est l'habitude. Hein? 8 fois 237, ça fait combien? Moi, je deviens vieux, je perds peut-être mon arithmétique. Ma foi, comme ça, de tête... Ah, bah tiens. Ça fait 1896. Exact. Ajoute encore 41. 1937. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, 4 et 13. 13 du 4. Oui, peut-être que ça se voit déjà. Tu n'as rien remarqué? Non. L'air. La couleur de l'air. Parce qu'il se peut qu'il soit déjà malade, ça devrais-je voir. Il se peut que le ciel s'assombrisse de plus en plus. On a observé les bêtes, voir si elles n'ont pas peur. Il faut que j'y aille, hein. Augustin va pas tarder. Oh, faites-moi le cri. Tu as refait tous les calculs, tu es arrivé au même résultat que moi.
Alors, je vais te dire, parce que tu ne sais pas. Là-dedans, il est écrit qu'il y aura une guerre. Et il y en a justement une à présent. Il est dit aussi que dans le même temps, il y aura une guerre dans la région du soleil. Il est dit que le ciel s'assombrira de plus en plus. Et que le soleil ne sera plus revu par nous. Rien que par nous? Pour tout le monde. Et pas seulement pour 6 mois comme d'habitude, mais pour toujours. C'est pour mon genou. Qui t'a donné ça? Non, c'est oui. Faudra faire bouillir pendant un quart d'heure dans un peu d'eau. C'est pour un cataplasme. T'as été chez Anzévui? Oui. Le sien, il est où? Tu sais bien. Je veux pas ça, c'est inutile. C'est pas le moment. Toujours pas ton genou. Pas tant. C'est l'âge, utilisé. On est comme des outils. Mais toujours une place où ça s'use plus vite. Les genoux, ça nous porte. C'est la charnière. C'est toi là. Et le mal se met toujours là où ça travaille le plus. Pour lui, c'est le coude. Pas vrai? Arrêta. Je voudrais bien t'y voir, Polonier. Regarde. C'est gros comme une tête d'enfant. Des rhumatismes. J'en ai eu dans l'épaule, le rhumatisme, ça a pas enflé. Tandis que là, plus j'avance dans la journée, plus ça devient gros. C'est enflammé. Bois un verre de blanc. Ça désinfecte. J'ai fini par aller voir Anzévui. T'as encore vendu de son foin? Oui. Pour faire des compresses. Un vieux malin. Il sait s'y prendre. Il en connaît des choses, Anzévui, depuis le temps qu'il a le nez dans ses livres. C'est la neige. Quand j'ai été le trouver, il faisait des calculs compliqués. Des calculs de quoi? Des calculs sur le soleil. En tout cas, c'est un vieux malin. En croissant le sou, il a toujours su nous entortiller avec ses mixtures. C'est pas ça. C'est pas ça.
C'est le soleil. Qu'est-ce qu'il a, le soleil? Il dit qu'il est malade. Si le soleil est malade, comment est-ce qu'il peut le savoir? On ne la voit pas depuis 2 semaines. On ne le voit pas parce qu'il n'a pas assez de force pour percer le brouillard. Il dit qu'il en a plus que pour quelques mois. Et puis après, il s'en ira. Pour toujours. Eh bien, tant mieux. Pourquoi? Comme ça, j'aurais plus besoin de la chercher. Tu es fou, Arletta. Et toi, Revin, tu es encore plus fou que lui, croire le vieux. Et le vieux, il est encore plus fou que vous deux. Il a de l'expérience. Il m'a soigné des bêtes. Et elles ont guéri. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Comment ça se passera si le soleil n'éclaire plus? Pourquoi est-ce qu'il n'éclaire plus? Je sais pas. Il y a extinction. Ou bien c'est nous qu'on cesse de tourner. Comment ça? Mais on peut pas s'arrêter de tourner comme ça, Revin. Enfin, ça va pas là-dedans. Ou quoi? Je sais pas. On tourne doublement. D'abord, autour du soleil. Et ensuite, autour de nous-mêmes. C'est ce qui fait le jour et la nuit. Justement. Pour qu'il n'y ait plus que la nuit, il faudrait que la Terre soit comme la Lune. Justement. Il faudrait que le soleil éclate en morceaux. Ou bien qu'il rencontre une comète. Justement. Plus de 300 morts et des milliers de blessés. 6 avions insurgés, décrivant des cercles autour de la ville, ont lâché en quelques minutes 100 de bombes, tandis que des croiseurs légers à quelques milles des côtes envoyaient des rafales d'obus. Plusieurs quartiers de la ville seraient en flammes. On communique d'autre part que sur le front du Tage, les forces du général Franco ont attaqué sur 3 points, entre Madrid et Aranjuez. Les forces gouvernementales ont résisté énergiquement à toutes les attaques. Les combats ont été très violents, allant jusqu'au corps à corps. Plus de 50 000 orphelins errent dans le pays dévasté. Des scènes dramatiques se déroulent parmi les sans-abri. D'après des témoignages de réfugiés, on aurait retrouvé dans des grottes des monts de Guadarrama, Naranchela, Los Molinos et Cherchedilla de nombreux cadavres d'enfants morts de froid. Un journaliste du front a trouvé 5 corps d'enfants gelés sur la route de Magueda à Santa Cruz de Retama. C'est un drôle de temps, quand même. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu un coin de ciel. Avec ce brouillard. Anzevui m'a dit qu'avant la fin de cette guerre, le soleil se détournerait de nous. C'est tout ce que je sais. Je tenais à vous le dire. Si Anzevui dit vrai, c'est pas mauvais qu'on le sache à l'avance. On pourrait prendre des précautions. Mais quelles précautions? Je sais pas. Scalfeutrer, faire des provisions. Tu serais tout tuturé, mon pauvre ami. Si on a assez de bois, on pourrait attendre. Mais attendre quoi? Qu'il revienne. J'espère bien qu'il reviendra pas. J'aurais plus besoin de chercher. J'ai assez couru pendant 2 ans. Je pourrais me reposer. Les plus forts, Sidonie. 8 degrés.
le matin et 5 degrés dans la journée. Dans les jours qui viennent, importantes chutes de neige. Les dangers d'avalanche persistent en montagne. Les taches qu'on a pu constater il y a quelques semaines dans le soleil pourraient être la cause de ces troubles assez inhabituels pour la saison. Vous avez entendu ? Des taches dans le soleil. Des taches dans le soleil. Il a peut-être raison, Zewi. Tu rentres ? On va aller voir rendez-vous. Pour son genou? Oui. Et alors? Il dit qu'il sait des tas de choses. Rendez-vous? Oui. Il lui a dit que tout allait s'arrêter. Mais quoi, tout? Le soleil. Le soleil? Oui, il n'y aura plus de soleil. Il fera nuit tout le temps. C'est ça. Il y aura extinction. Il est fou, ton Zewi. Le soleil, mon pauvre Gustave. Si, il a fait les calculs, Reva a contrôlé avec lui, il arrive au même résultat, on ne verra pas le soleil. Et on ne le reverra pas au printemps, je t'assure, Isabelle. Il fera toujours plus froid, on sera dans la nuit. Zewi dit que c'est écrit. Mais je le connais, moi, Zewi. Quand j'étais petite avec Adriel, on le regardait courir après la vieille Brigitte. Et tu sais ce qu'il lui disait? Des horreurs et des saletés. Il était mort de peur. Ça n'empêche pas qu'il sait beaucoup de choses. T'as quitté tes vignes? Je suis monté voir les parents. T'avais l'ennui? Non, c'est pour le père. C'est toujours son genou qui est le chicane. Bon, le genou va mieux. Mais le père devient bizarre. Il est plus d'accord pour le mariage de Lucien. Il dit que c'est pas le moment. On comprend plus. Salut, Julia. Salut, Isabelle. Enfin, la mère se fait du souci. Il écoute les histoires dans ses bruits. Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois. Je sais depuis longtemps. Tu veux voir quelque chose après? Ouais. Mais... Tu crois, toi? C'est beaucoup de choses, en dévoui. On n'en a plus pour longtemps. Quelques semaines. Chaque dimanche, j'enfonce un clou. J'en ai déjà planté 7.
fatigué maintenant. Il a tellement couru pour chercher toutes ses fleurs. Il m'a dit qu'il s'en est en même temps que le soleil. Je vais baisser tout doucement comme lui. Tant mieux pour lui. Parce qu'il y a ceux qui devront lâcher d'un coup. C'est pas juste. C'est pas juste si ça finit. Un tout petit qui a jamais rien fait de mal. Dieu vous garde. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Et pitié de moi, Seigneur, car je suis sans force. Je commence à me rouiller, moi. Demain, je monte au-dessus du bis. Tu es avec moi? Il y a trop de neige. Elle porte. Pas sûr. Ça a gelé profond ces derniers jours. Ça me donne pas envie, ce temps-là. C'est pas la première fois qu'on partirait par ce temps-là. Et le brouillard? Au-dessus, c'est clair. Qu'est-ce que t'en sais? Tu t'ennuies pas à rester enfermé, là? J'ai pas le temps. Allez, viens avec moi, ça nous changera. Chercher partout, hein. On est allé chez les Allemands. Un glacier du Rhône. On a cherché partout et rien, rien, rien. Faut pas rester là. Vous allez geler. Ben, ça me reposera. Et vous pouvez vous reposer chez vous. Elle est partie. Je sais. Elle avait 19 ans quand elle est partie. Elle reviendra? Elle s'ennuyait. Une fille, c'est un bonheur. Quand elle parle, le bonheur part avec elle. Elle cherche toujours sa fille, Arlette. Et là, c'est brillant. Oui, père. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie le mousqueton. Je vois bientôt plus rien. Tout est gris. Les couleurs reviendront avec le printemps. Il faut attendre. Le printemps. J'ai fait tremper le pain, il était trop sec. Attends. J'irai vous chercher du fromage. Il y en a encore là, sur l'étagère. J'irai vous en acheter. Ça me suffira. Et pas de pain. Bonne nuit. Bonne nuit. Je viendrai donner un coup de balai demain. Dieu vous garde. Ça n'a pas changé.
Tant pis pour toi, Maurice. J'irai tout seul. Je ferai visite au soleil. Et je ramènerai une bête sur mon dos. Cyprien ! Cyprien, t'es là ? Cyprien ! Ça n'a pas encore assez. Je sais bientôt plus le mettre. Ah, pourquoi tu t'arrêtes pas? Parce que, au lieu d'aller vers le chaud, on va vers le plus froid. Comment c'est possible? Il dit que la Terre peut parfaitement se mettre à pencher de côté. Parce qu'elle est en l'air. En l'air? Oui, en l'air. Elle s'est portée par rien. C'est une boule qui tourne en l'air. On la voit pas bouger puisqu'on bouge avec. Alors, vous comprenez? Chien, papa. Je vais bien. J'ai une bonne place. Je t'écris pour te dire de ne pas t'inquiéter. Je te donnerai plus longuement de mes nouvelles. T'embrasse très fort. Ta fille Adrienne. Ta fille Adrienne. Thank you.
Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est? Follonier. Cyprien est parti ce matin, il n'est pas rentré. Mais il est sûrement avec Tissière. Il peut être tiré une bête. Il n'est pas avec lui. Ah bon? Il est avec les enfants, Maurice. Il est parti tout seul. Il fallait le chercher. Sidonie. J'en ai pas besoin. Mais je te la laisse pour pas grand chose. Non, merci. Mais c'est pour le prochain voyage, je vais encore essayer. Hé, hey, trois longs. T'as pas besoin d'une horloge pour ta salle? Mécaniquement, c'est bon. On va allumer les feux. Le feu servira à rien si le brouillard descend. Ça. On sait plus d'où il part, ton coup. J'ai pris mon cornet, ça porte plus loin. Je peux aller devant et chauffer de temps en temps un coup. Mais Trailleux le connaît bien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il faut les suivre le plus longtemps possible. On finira bien par le rencontrer. C'est bien les siennes? Qui veux-tu que ce soit?
Souffle encore, Jean. Souffle. On va le trouver. On va le trouver. Il faut. Notre aide est dans le nom du Seigneur. Qui a créé le ciel et la terre. Sauvez votre serviteur, Cyprien Métraillé. Qui n'a d'espoir qu'en vous, ô mon Dieu. Notre aide est dans le nom du Seigneur. Qui a créé le ciel et la terre. Sauvez votre serviteur, Cyprien Métraillé. Qui n'a d'espoir qu'en vous, ô mon Dieu. Le brouillard arrive. Ça va devenir difficile. Souffle encore, Jean. Souffle. Qu'est-ce qu'on fait? Souffle encore, Jean. Plus fort. Vous entendez? C'est lui. C'est lui. Il appelle. Où ça? Là, dans le fond. Vous l'entendez pas? Je vois plus, je vois plus. Mais j'ai encore mes oreilles. Tais-toi, Martin. Sauf. Souffle. Continue. Qu'il sache qu'on est bien là. Tiens, j'y vais. Fais attention. Je connais. C'est fini, Martin. Ta main? T'es pas blessé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as glissé? Tu l'as vu, le soleil? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Pour le printemps, je voudrais une robe en laine très très fine. Prune. Avec un corsage blanc. Tu en as déjà deux. C'est pas beaucoup. Prune et blanc. C'est joli, non? Ouais. Ce sera gai, tu trouves pas? Si. Pour le printemps. Pour le printemps, Augustin. Tu comprends? Regarde.
Salut Ernest. Bonjour Eugénie. Allez mieux ton genou. L'enflure a disparu. Avec les compresses dans les aiguilles. Tu l'as revu? J'ai été lui montrer ma jambe. Il sort plus. Il t'a reparlé de... Il dit que c'est toujours pour le 13. Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Regarde pour mon genou. J'ai bien fait de l'écouter. Il s'est pas trompé. Le mieux, à mon avis, c'est de garder la chose pour nous. De se tenir prêt. Faut en parler au curé, il pourrait se fâcher. Tu peux pas venir à la messe comme ça, Arlétard. Mais je resterai dehors. Tu dois t'arranger un peu. À quoi ça servirait? Si je la revois plus, jamais, plus jamais. Tu comprends ça, plus jamais. Oui. Alors si Angévi dit que c'est la fin, eh ben tant mieux. Tant mieux, oui. Je cherche plus. J'ai plus rien. Plus rien. Plus rien. J'ai vendu les chèvres, j'ai vendu les vaches, j'ai vendu les prix. Il m'a acheté les outils. Ça coûte les voyages. Tu me les achètes, les outils? Oh merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais t'as encore le champ des ampères. C'est le plus beau de la région, je le vends pas. Mais à quoi te servira, si c'est la fin du monde? Et à toi? Moi, j'en sais rien, si c'est la fin. Tu veux mon champ, Foulonnier? C'est pour te rendre service. Combien t'en veux? Combien tu m'en donnerais? Allez, 500. T'es fou. On en reparlera. Eh bien, cher frère, aujourd'hui mon cœur est bien lourd car je dois vous annoncer une triste nouvelle. Chaque dimanche depuis 30 ans, je suis monté vous apporter la sainte parole, le réconfort de Dieu. Je suis venu par tous les temps, par le froid, par la neige, parfois par la tempête, et aussi par les plus grosses chaleurs. J'ai demandé chaque jour au Seigneur qu'il m'apporte la grâce de le servir jusqu'au bout. Aujourd'hui, si mon âme reste émerveillée comme celle d'un enfant devant la splendeur du divin mystère, ma carcasse, elle, a bien de la peine à suivre. Elle crie misère. Elle me dit « Assez, arrête-toi ». C'est pourquoi j'ai pris le cœur serré la décision de ne pas remonter à Saint-Martin jusqu'à la fin de l'hiver. Je ne vous abandonne pas. Chaque jour, je prierai pour vous, pour tous ceux et toutes celles qui ne pourront descendre à la messe d'en bas. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons tous au printemps prochain. Abandonnez pas. Je ne suis rien. Vous êtes mon espérance. Ne nous laissez pas. Il nous abandonne. On va mourir comme des sauvages. Tu vas? Monsieur le curé. Je
Monsieur le curé? Monsieur le curé? Oui, Isabelle. On dit dans le village que le soleil est malade, qu'il va s'éteindre et qu'il ne reviendra plus. Qui t'a dit ça, Isabelle? C'est le père Anzivoui. Il dit que c'est écrit. Il fera toujours plus nuit et toujours plus froid. Le soleil se lève et se couche à l'heure fixée par le Seigneur, mon enfant. Il faut nous conformer à sa volonté. Dieu est juste. Il n'y a pas de châtiment immérité. Tout ce qui nous arrive, tous les malheurs qui nous accablent, nous devons les considérer comme la juste punition de nos fautes. Il faut prier, mon enfant. Prie, Isabelle. Le Seigneur s'est aussi pardonné. Tu laves tes cheveux le dimanche? C'est pour bien commencer la semaine. Qu'est-ce que tu lui as demandé au curé? D'avoir 12 enfants. Encore combien de temps, d'après toi? Je sais pas. Tu dis qu'en avril, tout doit être fini. Oui. Il faut compter largement. Combien est-ce que tu dépenses par semaine? Bon. 10 ans par jour. Qu'est-ce que tu bois? 3 4 litres? Chez le coiffeur, la nourriture, le tabac, les impôts ne comptent plus. Il y a les déplacements. Quel déplacement? Je vais encore la chercher. Je voudrais qu'elle soit là quand ce sera le moment. C'est bien. Mais les déplacements? Je vais aller jusqu'au bout du lac encore. Disons. 750. Non. Salut toi. Tu me lâches. Je te lâche. Apporte-nous à boire, Sidonie. Et prends un verre pour toi. Moi qui me disais que tu étais détaché de tout, Arlette. Je suis détaché. Lui était déjà malade à cause de sa fille. Maintenant, avec tout ce que je lui raconte, il lui fout de fou. Il est venu cogner contre le carreau de la cuisine. Tu es net. Martin, ça.
paix s'entend. Partira avant nous. C'est peut-être mieux. Tu viens avec nous? On va aller voir Zébouy. On a besoin d'une fille. Laisse-moi. Tu diras monsieur Zébouy, j'ai des ennuis. Il me faudrait de la tisane de fenouil, c'est urgent. J'ai des ennuis ce mois-ci, tu comprends? T'auras pas besoin de mettre un coussin sous ta jupe pour faire semblant. Malhonnête. Reste. Nous, pendant ce temps, on va se cacher. 900. C'est bien pour te faire plaisir. Il ne vaut pas la moitié ton champ des empires. C'est par souci de t'assurer une bonne fin de vie. Si t'es heureux comme ça. Tiens. J'ai préparé ça. Denis, tu as quelque chose pour écrire. Si Denis, écoute, je te jure, on ne veut pas de chicane. Viens, on va te raconter. Bien utile. Le sous-signé déclare vendre aux citoyens Foligny et Placide son champ des Ampères pour la somme de 1000 francs. Tiens, signe. C'est en attendant de passer chez le notaire. Je veux une avance. Combien? 50 francs? 100. Rajoute. Reçu 100 francs. Je vais me coucher. Salut Arlette. Si donnez un litre. Salut. Bonne nuit. On a un compte à régler avec le vieux. Pourquoi? Il rend tout le monde malade avec ses histoires. Qu'est-ce que vous allez faire? Lucien ira taper chez lui. Lucien ira taper à la porte, tandis que vous y croira que c'est une fille. Tiens, va lui porter un litre. T'en fous qu'il arrête, tu comprends? Réveillez, Arlette.
fait croire en Zévoui qu'on l'enferme. On l'embarque et en route, on trouvera bien un trou quelque part pour l'envoyer brouter. Ça le fera réfléchir. Allez, viens, Lucienne. Viens, on va aller voir par devant. Monsieur Zévoui, ouvrez-moi, s'il vous plaît. J'ai des ennuis. C'est pressant, monsieur Zévoui. J'ai une semaine de retard. Qu'est-ce que tu fais? Mais Lucien, attends-nous! Les gens s'en occupent. Reste. T'as le temps. On a tout le temps avec cette neige. Bouge pas. C'est à cause d'un Zévoui. Dis. Si l'hiver finissait jamais. Bouge pas. C'est ce qu'on ferait. On se mettrait au lit. On aurait plus froid. On serait ensemble. On serait là. Et on verrait rien. Bouge pas, Augustin, attends. On n'entendrait rien. On serait plus que nous deux. Rien que nous deux, Augustin. Tu m'as pas dit ce qui t'était arrivé. J'aurais pu revenir tout seul, tu sais. J'étais pas loin. On suivait tes traces du matin. Comment t'as fait pour les perdre au retour? J'étais au grand dessus. T'as pu monter tout seul? Je connais la montagne aussi bien que toi. Oui, je sais bien. Je voulais savoir si un Zévoui dit vrai. Je voulais voir. Oh mon Dieu.
Père! Père, tu m'entends? Seigneur Jésus, vous qui avez souffert jusqu'à la mort pour expier nos péchés, daignez du haut du ciel étendre vos divines mains sur votre créature. Guérissez la ridicule ces paroles que vous avez si souvent prononcées. Passez-moi une cuillère, s'il vous plaît. Quel âge a-t-il ? 80. Infirmité, lève-toi et marche. Seigneur Jésus, je vous demande que la guérison de Martha vous aide. C'est pour lui faciliter la respiration. Il ne souffre pas, c'est déjà quelque chose. Bon, au revoir, Cyprien. Bon courage. Monsieur le docteur, c'est le petit qui va pas. Je crois que mon lait est pas bon et puis il supporte pas les vaches. Il a de la fièvre ? Oui, un peu. Bon, mais voyons. Monsieur le docteur, qu'est-ce que je fais pour manger ? Montrez-leur ce que vous savez faire, Père Antoine. Vous m'avez déjà guéri le genou. Trouverez bien le mal où il est. Martin. Martin, c'est moi. Anziri Antoine. Tu me reconnais? C'est pour t'en aller. Viens nous aider dans nos épreuves. La chance, Mitraille. Tu es mort quand t'as voulu. Tu m'as pas répondu. Combien de fois je t'ai prié, tu me l'as pas rendu. Et combien de cierges j'ai brûlé? Combien de cierges j'ai brûlé? Pour rien. Pour rien. T'as rien fait. Rends-la-moi. Fais qu'elle revienne maintenant. Rends-la-moi. Fais qu'elle revienne. Tu me l'as pas rendu. Elle est pas revenue. Oh. Je
cherches-tu faire, l'État ? Je cherche Jésus. Tu sais que c'est demain ? C'est demain qu'on descend chez le notaire. Tu veux pas venir ? Ok, si. J'ai plus rien. T'as déjà tout dépensé ? Voleur. Tu as encore 900 francs à la signature. J'ai pas vu l'heure. T'as pas faim? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je t'aide, hein. Regarde, le soleil. T'aurais pu t'arranger un peu. Pourquoi ? Pas du monde. Vous êtes venu et il est mort. Oui. Peut-être qu'il serait pas mort si vous n'aviez pas été là. Il disait au village que vous êtes plus savant que les médecins. Mais au lieu de le remettre en santé, vous l'avez laissé partir. Mais je ne suis rien, moi, je ne compte pas. Je ne fais que dire ce qui est écrit. Quand j'ai vu que ton père avait fait son temps, je lui ai dit de lâcher. J'y suis monté là-haut. Pour voir si vraiment il n'y était plus le soleil. Tu l'as vu? Il était bien encore. Mais. Mais quoi? Il était tout rouge. Comme une tête coupée avec plein de sang autour. Oui. Je le sais. J'ai du bois dans le poil, mais ça y est, j'ai froid. T'es comme une tête coulée. On sera comme la lune qui ne reçoit la lumière que d'un côté. Vers un balancement. On sera du côté de la terre. On y fera nuit tout le temps. Pour quand ? Tiens. C'est là. J'ai compté, j'ai refait tous les calculs, je tombe toujours au même chiffre.
13 du 4. Le 13 avril. Le jour où le soleil devrait revenir chez nous. Bon. Il ne reviendra pas. Et au lieu de faire plus clair ce jour-là, il fera plus sombre. De plus en plus sombre. La nuit sera pour nous. On va garder les lampes allumées toute la journée. On aura froid. Des moins 40, moins 50. L'eau sera comme de la pierre. Les sapins se fendront en deux. On cassera le fromage à coups de hache. Le pain deviendra comme une meule de moulin. Le père a bien fait de partir alors. Il a obéi. Et nous? On a obéi aussi. Et salut l'arbre! C'est Arlétain qui te salue! Je suis aussi seul que toi. C'est triste, mais c'est bientôt fini. Venez! Venez, venez tous! C'est moi qui invite. Il y en a trop. C'est bientôt fini. Allez! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi qui paye. Hé, hey, Folonier! Folonier! Ah! Il ose pas, le voleur. Le plus beau champ du pays. Ouais, c'est qu'on m'a donné. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Sidonie, 6 litres. Pour 15 jours. Ça suffira pour 15 jours. Ça va, Cyprien? Ça va. J'ai été chez Hans et oui. Je voulais savoir pour le père. Mais non, je sais plus. Il reviendra. C'est sûr. Hop là. Moi, je l'aime bien. Il me brûle jamais, même quand je fais les foins. Tu as de la chance. Moi, il me fait mal. Je deviens comme une écrevisse. Santé, Cyprien. Santé. Bientôt, on saura à quoi s'en tenir. J'espère. Oui, tous ceux qui ont peur. Et Arlétha. Oui. Folonie, c'est un tout malin. Tu sais, ils en profitent tous. Il dit qu'il veut tout boire avant que ça soit fini, parce qu'il veut rien laisser au diable. Il est seul. Ouais. Faut pas faire des enfants si on n'est pas capable de les garder. Trouve pas? Faut pas se lier si on sait pas. Pourtant, il aime bien. Seulement, il faut savoir, hein. C'est peut-être pas cet amour-là dont on a besoin. Il sait pas. Elle avait 4 ou 5 ans de plus que moi. Mais peut-être qu'on s'est mariés trop jeune.
Augustine a le même âge qu'elle. Quand on était petit, elle était bien plus grande que nous. Et je me souviens, elle disait « Je m'ennuie ». Et quand on lui demandait pourquoi, elle disait « Je m'ennuie parce que c'est trop petit par ici ». Tu trouves, toi, Cyprien, que c'est trop petit par ici ? Dis, est-ce que tu trouves que le 25 ans est déjà vieux ? Ah, salut, métraillé. Salut. Buvez bien au chaud pendant que nous on s'éreinte. Jean, tu vas chercher deux verres ? Ça l'a pris, nom de Dieu! Doucement, l'état reste poli. J'ai partagé l'argent en deux. Chacun aura sa part. J'ai tout noté là-dedans pour la maison et les terres. Si c'est moi qui pars le premier. Tu crois vraiment, Denis ? T'as regardé les réserves ? On a du fromage et du pain pour 6 mois. 3 jambons. Et de l'huile, 2 bidons. C'est bien, parce qu'on pourra plus sortir. Pourquoi ? Tu sais bien. Ah, Lucien. J'ai mis en ordre mes affaires. C'est pour le cas où... Tu sais bien. Non. Ça fait rien. J'ai préparé vos parts, 2 paquets. Il y a votre nom à chacun dessus. Follonnier ! Oiseau de malheur ! Follonnier ! Menteur ! Voleur ! Follonnier ! Montre-toi ! Montre-toi ! Des choses graves pèsent contre toi ! Un champ qui mène ma mère, le plus beau champ de la région, pas un caillou ! Je l'avais trié à la main, motte par motte. Voleur ! Follonnier ! Voleur ! Montre-toi ! Voleur ! Voleur, pas seulement de ma mère, il naît. Allez, viens, de ma mère, il est du père. On va du père, du père de ma mère. Mon grand-père, il naît. Viens. Je l'ai crié.
Vole par moi. Je sais. À la main. Viens, après on ira chercher ta fille. Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Bien. On va être riche, Gabriel. Mon père a fait son testament. Il a mis ses affaires en ordre et on aura chacun notre part avec Julien. Non. T'es encore toute mince. C'est pas de ma faute, tu sais. J'aimerais bien être grosse. Tout le temps. J'aurais voulu un enfant pour l'été. Pour qu'il puisse profiter du beau. Il n'y a pas si longtemps que vous êtes mariée. S'il vient maintenant, c'est pour l'hiver. Mais il viendra peut-être jamais. Profite-en. Prends du plaisir pour le moment. Après, quand les enfants seront là... Mais il est brusque, tu sais, il est maladroit. C'est normal de plus. Après, il a plus envie. Tu me l'as fait courte, la jupe, puisque j'ai une taille de jeune fille. Comme ça, on pourra aller danser au printemps. Il ne restera pas grand-chose pour le haut. Ça fait rien. Je mettrai un fichu. Augustin m'en a donné d'être très beau. T'es descendue dans la plaine, Arletta, pour chercher ta fille. T'es allée jusque-là comme tu voulais. Ça sert à rien, puisqu'on va se retrouver. Hein, Volonier? C'est pas que pour nous tout ce qui va arriver, hein, c'est pour ceux d'en bas aussi. Pour tout le monde. Alors pourquoi courir? Je te laisse revoir. Salut. Salut. Allez, venez, venez, c'est moi qui paye. Faut boire, puisque c'est bientôt fini. Comment ça sera? Ça sera beau. On sera changé? Bien sûr. Et pas seulement changé, mais transformé, transfiguré. Transfiguré. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les mêmes figures. On n'a pas besoin de changer de figure, elle. Mais c'est toi qui en changeras, Arletta. Tu deviendras beau. Tu seras comme un jeune homme. Bien rasé. Et bien coiffé. Bien habillé aussi. Tout beau. Taisez-vous, vous autres. Tu te rappelles, Arletta, ce qui est dit dans la Bible. C'est écrit qu'on sera tous ensemble au ciel pour toujours. Tu as raison. Tu la retrouveras. Comment on se reconnaîtra? C'est la lumière. On aura vécu dans la nuit. Et tout à coup, il y aura une grande lumière. Une lumière comme il n'y a jamais eu sur la terre. Et on sera porté par elle, les uns vers les autres. Et puis, il y aura les anges. Quel âge t'as, Arletta? 47. On aura 20. Ta fille? 25 ans, le 12 mai. Et on aura 18. Vous serez comme des amoureux. Taisez-vous maintenant. Je me souviens bien d'elle. C'est pas notre faute, elle est partie, c'est vrai ça? Elle était trop belle pour nous. Mais là où on va, il n'y aura plus de différence. Tout le monde sera heureux. Et elle, elle sera comme un ange du ciel. Elle te reconnaîtra d'en haut. Pas de parterre pour la présence, c'est dans quel qu'elle va. Comme un oiseau. Ouais. Verte et bleue. Comme une mésange. Non.
rouge et grise comme un rouge-queue. Blanche et noire, comme une hirondelle. Je ne défends pas, je ne proteste pas, je ne discute pas. Vous viendrez à l'heure que vous aurez choisi. Bonjour Justine. Bonjour Brigitte. Tiens, c'est pour toi et les enfants. Qu'est-ce que c'est? Regarde. David, viens tenir ton petit frère. Oh, il fallait pas. Brigitte. Regardez, c'est pour vous aussi. Ce sera un souvenir. Merci. Salut Julien, t'as remonté? Oui, c'est le père qui m'a demandé de revenir. Salut. 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 Ah, salut travail, c'est l'histoire. Des sottises. Je suis Denis. Salut, c'est Denis. Ça rend triste, Satan. Ça nous donne des idées noires. Encore quelques jours, on saura à quoi s'en tenir. Allez. Santé. Voleur. T'as rien d'autre à dire, Arlette. Voleur. Voilà, Arlette. Tu nous quittes déjà? Combien est-ce qu'il te doit? Il y a 3 litres ce matin, 2 cet après-midi, puis ce soir. Tu pourrais dire que je te vole encore une fois. Pauvre Arlette. Pour 20 francs. Allez, Arlette. Faut venir. Allons, va faire un. Tu entends, Arlette? Calme, Arlette, calme. Tu seras mieux dans ton lit. Aidez-nous, les jeunes. Arrêtez un moment là. Il est peut-être mort. Heureusement que le mort est léger, hein.
Vous avez pas sommeil? Et Jean? Il est allé se coucher. Tu viens? Bon, tu viens? T'es malade? Non. Je voudrais te demander quelque chose. Tu viendras avec moi? Où ça? En haut, sur la crête, au Grand Sud. Dis, t'entends? J'aimerais bien que tu me répondes. Dis, je suis là. Réponds. Tu viendras avec moi? Quand ça? Samedi prochain. Quoi faire? Mais tu sais bien. Avec moi. Comment? Samedi. Je voudrais aller voir là-haut si le soleil reviendra ou pas. On irait jusqu'au Grand Sud. On verra rien par ce temps. Mais justement, je veux les voir. Ils pensent tout ce qui reviendra pas. Moi, je suis sûre qu'il y sera. T'es drôle. Et Augustin, qu'est-ce qu'il dit? Il veut pas venir. Et toi? Pourquoi pas? Tu prendras ta corne et tu souffleras dedans jusqu'à ce qu'il arrive. Je demanderai à Cyprien et à Jeanne de venir. Et merci. Si je le fais, c'est pour toi, Isabelle. Mais tu me dois quelque chose. Quoi? Je sais pas ce que tu veux. Tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme une étoffe de crin. Et la lune entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme fruits verts d'un figuier battu par la tempête. Le ciel se retira comme... T'as entendu? Oui. J'y vais. Denis, faut venir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Le feu s'est éteint, je vous ai vu. Eh bien? Elle nous avait envoyé encore de la lumière, ça bougeait. Et maintenant, c'est tout noir. Faut venir, Denis, faut venir. Faut être plusieurs. Cherchez vos garçons. Non, pas eux. Allez demander à Follonier et à Métrayer. On
Posez, oui. Vous êtes là? Vers le poêle. Il dort. Père Antoine. Père Antoine. Il est froid. Faut le coucher. Il est pas plus lourd qu'Arlette, hein? Il m'avait dit, je passerai en même temps que lui. C'est signe qu'il avait vu juste. Il a confondu. Il s'est pris pour le soleil. T'as pas honte? Faut que j'aille. Moi aussi. Regarde en passant si ma lampe est toujours allumée. Trop froid, c'est léger. J'ai mon châle, hein. Et puis, il y aura du soleil. Bien sûr. Oui, oui. Corneille, Jean. T'as pris assez de cartouches. Qu'est-ce que tu crois? Et ce qu'il faudra tirer 13 fois. Pourquoi 13? Parce qu'on est le 13 avril. Tu viens aussi, toi, Vigneron? Ah, j'ai envie de le revoir d'en haut, comme toi. Allez. Vous savez que Anzewi est mort? Mon père a dit que c'était la fin pour tout le monde quand Zewi sera mort. On verra bien. Regardez, ça se dégage. Je souffle. Non, pas encore. Allons plus haut. Regardez. Qu'est-ce que je t'avais dit, Jeanne? C'est beau quand même. Ça va être encore plus beau tout à l'heure. Souffle, Jean. Qui nous entendent au village. Allez, Jean, comme à la caserne. Debout là-dedans, c'est l'heure. Debout les morts. Papa, viens voir.
C'est le cornet de Jean. Ça se dégage. Il va faire beau. Souffle, Jean. Aide-le. Denis, Denis, viens voir, on dirait que ça s'éclaire. On s'est peut-être trompé. Ça y est, Cyprien. Vas-y. Souffle, Jean. Souffle. Il semble bien qu'il soit.